La contre-saison, c'est des spectacles qu'on organise en plein air sur toute la commune de Vernier, qui sont gratuits, ouverts à toutes et tous, et pluridisciplinaires. Vous êtes prêts? Je suis venu ici pour vous raconter une histoire qui s'appelle Pierre et le loup. C'est surtout une bande de potes qui s'amusent autour de le sport, de l'acrobatie. C'est 30 minutes où on essaye de communiquer bien avec le public. Qu'on essaie de développer, c'est plutôt essayer justement d'effacer l'être humain, qu'on sache pas si c'est l'enfant, l'adulte, l'animal ou autre chose qui n'existe pas. Entre ciel et terre, ça parle d'abord d'une rencontre entre deux êtres. Le but de cette démarche, c'est vraiment de rendre très accessible la culture, c'est-à-dire d'aller sur tout le territoire de la ville de Vernier. Le fait que ce soit spontané et pas forcément des choses attendues, c'est des spectacles plus légers où il y a une rencontre avec le public qui se fait plus facilement, qui est très directe. J'ai entendu parler de ce spectacle par une amie. C'était assez spontané et du coup, je suis venue comme ça. Je suis née à Vernier. De me retrouver tout à coup dans le parc qui était mon terrain de jeu quand j'étais petite, j'ai trouvé magnifique. C'est surtout la planche qui faisait peur un peu avec les poids. C'est quand même des gros périlleux, alors je pense qu'il y a pas mal d'entraînement à mon avis. La contre-saison à Vernier, c'est des rencontres et des nouvelles histoires à chaque coin de rue. Après tout ce qu'on a vécu, ça m'a fait du bien à mon cœur, à mon âme. Replonger dans quelque chose de vrai et d'authentique, ça permet de rêver sur place et de ne pas avoir besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se sentir vivant.